Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Devorta et on se retrouve aujourd'hui pour la 7ème stratégie du Sépulcre des Fondateurs. On va parler aujourd'hui de Alondrus. Alondrus, c'est un boss qui a reçu beaucoup de changements sur le PTR et qui aujourd'hui arrive dans une version qui est vraiment agréable à jouer. La mécanique principale de ce combat, ce sont les secousses sismiques et les particules éphémères. Au début de chaque phase, le boss va lancer des secousses sismiques qui vont créer au bout de leur chemin des fissures éphémères. De ces fissures vont sortir des particules. Hop, ces particules sont représentées par ces boules blanches. Quand elles arrivent, ces particules avancent doucement vers le boss. Si une particule touche le boss, elle fait énormément de dégâts au raid, et globalement, ça promet un peu le wipe. Si jamais un joueur se met devant une particule et qu'il la tank, qu'il la prend, il va prendre un peu de dégâts magiques, et il va faire reculer la particule. Donc l'objectif, c'est que quand vous voyez les fissures éphémères et se mettre en place, vous avez toujours des joueurs qui vont se mettre dans la trajectoire des boules, donc des particules, pour ne pas qu'elles atteignent le boss. Ok ? Pour gérer ces particules, vous avez quelques mécaniques en plus. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le prisme écrasant. Qu'est-ce que le prisme écrasant ? C'est un debuff qui va être mis sur certains joueurs. Vous voyez ici. Quand ce debuff est dispel, il pose une zone qui ralentit au sol. Cette zone ralentit les joueurs, mais ralentit aussi les particules. Donc ce que vous devez faire en tant que joueur qui reçoit le debuff, si moi en tant que joueur je reçois le debuff, je vais me placer sur la trajectoire d'une particule, et ensuite je vais appeler les healers pour qu'on me donne un dispel. Par exemple, je vais dire Devorta dispel. Et comme ça, les soigneurs savent que je suis en position et que je suis prêt à ce qu'on dissipe mon debuff prisme écrasant pour placer la zone au bon endroit. Les tanks auront aussi une mécanique qui est en rapport avec les particules, mais seulement en héroïque. En héroïque, certaines particules vont avoir un bouclier, que je vais représenter ici par ce cercle noir. Une particule avec un bouclier ne peut pas être tankée pour reculer, elle va forcément avancer. Pour casser ce bouclier, les tanks ont une compétence qui s'appelle ce laser brise-lumière, ce rayon de lumière, c'est un rayon de lumière, qui fait des dégâts, qui applique un debuff qui fait que dès que le rayon de lumière touche un tank, il faut changer de tank. Mais si jamais ce rayon de lumière touche une particule qui a un bouclier, elle détruit aussi le bouclier. Donc les tanks sont sur le boss, ils tournent un peu autour du boss pour se placer à l'endroit où des particules ont un bouclier, et ils explosent le bouclier avec la lumière. Une fois que le rayon de lumière a été tanké, on change de tank. Donc là par exemple, ce tank prend le rayon de lumière, il détruit le bouclier qui est là. Du coup, c'est ce tank là qui va récupérer. Alondrus va changer de vision, va regarder dans le sens de ce tank-là, et donc va tirer son prochain rayon de lumière dans ce sens, et casser ce bouclier. Ok ? On a quelques autres mécaniques à gérer quand même, parce que, bon, il y a quelques autres trucs à faire. Déjà, il y a des petites orbes qui volent très haut, au-dessus de votre tête, et ces orbes vont tirer un laser sous leurs pieds, que j'ai représenté avec cette petite AOE blanche. L'idée est simplement de ne pas rester dans la trajectoire de ces orbes. Ces orbes vont toujours tourner autour du boss, dans le même sens, et certaines vont s'activer dans un certain rythme. Donc juste, ne restez pas dans la trajectoire des orbes qui ont un laser actif. C'est assez simple. Vous allez aussi avoir les secousses sismiques, les missiles Brister. Tous les joueurs seront ciblés par des missiles qui créeront une zone de dégâts autour d'eux comme ceci. Au bout de quelques secondes, la zone explose, infligeant des dégâts à tous ceux qui sont autour des joueurs, donc tout le monde se disperse. Mais ces missiles ont une deuxième activation. Une fois qu'ils ont touché une première fois leur cible, ils vont rester au sol et quelques secondes après, ils vont re-exploser. Donc, quand vous avez été touché par le missile Brister, vous sortez de la zone pour ne pas prendre la deuxième activation. La compétence la plus dangereuse d'Alondrus en phase 1 s'appelle réappropriation. Alondrus, quand il arrive à son énergie, va se donner un bouclier. Tant qu'il a son bouclier, il va attirer tous les joueurs et toutes les particules plus vite que d'habitude vers lui. Là, ça devient dangereux et en plus, il va faire des dégâts croissants au raid. Donc il faut absolument exploser le bouclier pour arrêter cette réappropriation, qui est vraiment le moment le plus dangereux. Une fois que vous avez amené Alondrus à 80% de points de vie, il passe en intervalle. Pendant l'intervalle, il se lève, à chaque fois qu'il tire une patte du sol, il inflige des dégâts à tout le raid, et ensuite il va marcher vers une nouvelle salle. À chaque fois qu'il tape le sol avec sa pavate, il fait des dégâts à tout le raid. Tant qu'il se déplace, vous devez le suivre, vous êtes obligé de le suivre, sinon vous allez mourir dans les portes. Il garde plusieurs compétences. Il garde le missile Brister, donc ça, et il garde
le prisme écrasant, donc le debuff qu'il faut dispel. Mais en plus, tant qu'il avance et tant qu'il se déplace jusqu'à la prochaine salle, il invoque des petites orbes qui vont voler en l'air, et quand ces orbes explosent, elles repoussent tous les joueurs. Donc ce qu'il faut faire dans cette situation, voilà, on fait un petit dessin, vous avez une orbe qui est ici, Alundru se déplace en avançant comme ça, vous vous mettez à cette position par rapport à l'orbe, en regardant l'orbe, toujours dos à la direction où vous voulez aller. Comme ça, vous serez toujours repoussé dans le sens d'Alundrus. Donc vous vous déplacez, vous vous mettez là, vous allez vous faire repousser dans ce sens-là. Ok ? Alundrus va avancer comme ça jusqu'à la prochaine salle. Prochaine salle, il s'assoit, il passe en P2. P2, c'est comme la P1 en plus difficile, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'orbes qui auront des lasers activés, ici, et qui vont tourner autour du boss, et il y aura plus de secousses sismiques, plus de fissures éphémères, plus de particules éphémères. Donc plus de petites boules à empêcher d'atteindre le boss, pardon. Quand vous arrivez à 50%, le boss se relève, comme tout à l'heure, poum poum poum, il enlève ses papates du sol, ça fait des dégâts à tout le monde dès qu'il enlève ses papates, dès qu'il marche avec ses papates, ça fait des dégâts au raid. On a les mêmes compétences que pendant le premier intervalle, les boules qui vous repoussent, toujours regardez la boule et dos au chemin où vous voulez aller. Il y a toujours le brister et le prisme écrasant pendant cet intervalle. Ensuite, il se remet dans le sol. Et là, P3. P3, c'est comme la P1, sauf que le boss va constamment infliger des dégâts à tout le raid, quoi qu'il arrive. Et en plus, toujours encore plus de particules à empêcher d'atteindre le boss. Et il va ajouter une deuxième ligne de laser. C'est-à-dire que vous aurez une deuxième ligne de laser qui va être comme ceci. Et qui va tourner dans ce sens-là. Et là, toutes les boules auront tout leur laser activé. Donc vous devrez quasiment constamment tourner autour du boss pour éviter de vous faire toucher par ces lasers. C'est tout pour la petite vue sur la carte. Maintenant, on va voir à quoi ressemble la compétence vraiment sur le fight. Hop, encore une fois, merci à Jinji de laisser tout ça ouvert. Donc, voici à quoi ressemblent les secousses sismiques qui vont créer des fissures éphémères et des particules éphémères. Ce sont ces AOE là, donc bien sûr, il faut les éviter. Et au bout de ces AOE, vous allez trouver des petites fissures qui invoquent des particules. Les AOE arrivent, elles explosent, et vous voyez, au bout, apparaissent des fissures, donc c'est ces AOE-là, avec une particule par fissure. Et vu qu'on est en héroïque, certaines particules ont des boucliers. D'accord ? Donc là, on regarde comment ça se passe, on voit que les particules commencent à avancer un peu, les joueurs se sont placés, on voit qu'il n'y en a aucune quasiment de ce côté en face, du coup, beaucoup de joueurs sont placés là, et vous voyez que ce druide, qui est ici, je vais effacer le reste, lance ses sorts et est placé dans la trajectoire de cette particule. Donc la particule va lui rentrer dedans et reculer. Simplement. On va voir. Boum, elle recule. Ok, assez simple. Compétence tank. Donc je vous ai dit, c'est ce grand rayon de lumière là. Donc le tank est ciblé ici. Aucun DPS ne se met là-dedans d'ailleurs. Hein. Personne ne se met là-dedans. Hein. Ni DPS ni healer. Hein. Et il va viser avec ce laser, ce rayon, cette particule-là parce qu'elle a un bouclier. Ok ? Donc là, on regarde. Le laser tire. Boum ! Et ça casse le bouclier. D'accord ? Et on voit maintenant aussi que Mires, ici, a le debuff du rayon. Donc il ne peut pas reprendre le rayon. Donc c'est Nao, l'autre tank, qui a repris l'aggro. C'est si vous voulez la gomme. Maintenant, voyons le prisme. Donc vous voyez que ce joueur qui est là, regardez bien ce joueur-là va prendre le debuff. Hop! On peut voir visuellement qu'il a le debuff du prisme, parce qu'il a un effet visuel autour de lui qui n'est pas un effet visuel de classe. Donc là, il sait qu'il a ce debuff. Donc il se dit, il faut que je me place un endroit pour ralentir les particules. Vous allez voir qu'il va se déplacer, voilà. Il se déplace en face de la fissure, exactement ici. Il en profite pour faire rebondir une particule. Et là, il appelle les soigneurs. Je crois que c'est un soigneur, donc il s'appelle lui-même. Et il dit, moi, j'ai besoin d'un dispel. Et il se fait dispel, ce qui fait pop la zone. Regardez, hop. Là est apparue une zone. Elle est assez faible visuellement, on a du mal à la voir. Mais ici, c'est une zone de ralentissement. Si vous êtes dedans, vous êtes ralenti, mais les particules aussi. Et vu que c'est sur la trajectoire des particules, et vu que c'est même sur la trajectoire de plusieurs particules, c'est particulièrement bien effectué. Vous allez voir, les particules qui rentrent dedans, elles avancent tout doucement. Les lasers qui tombent du ciel. Donc voici les orbes dont je vous parlais qui volent assez haut.
Et ces orbes vont tirer en bas avec un laser. Je crois que ça s'appelle le laser brise planète. Et ça va faire des dégâts. Il faut juste pas du tout se prendre ça. Ça fait extrêmement mal. Il faut éviter d'être sur la trajectoire. Vous allez voir, elles vont se diriger dans ce sens-là. Il ne faut pas être dans la trajectoire. Boum. Voilà, elles tournent. On ne reste pas dans la trajectoire de la rotation. Et ça tombe bien. On va pouvoir enchaîner avec les missiles Brister. Donc vous voyez que tout le monde prend une zone autour de lui. Zone de dégâts. Il ne faut pas qu'il ait de copains dans cette zone-là. La zone va exploser une première fois. Regardez, hop. Et boum, elle explose une première fois, ça fait des dégâts à tout le monde, et ça laisse au sol une deuxième zone. Vous la voyez là, il y en a partout de toute façon. Cette deuxième zone va exploser dans quelques secondes. Allez, hop, et là elle explose. Donc il faut faire attention à tous être bien dispersés quand le missile Brister commence. Et quand le missile Brister vous a touché, barrez-vous pour éviter de prendre la deuxième explosion. Maintenant, la compétence la plus dangereuse de la phase 1, réappropriation. Donc vous voyez que là, Alundrus est à 100% d'énergie. Il va donc lancer réappropriation. Il s'applique un bouclier. Vous le voyez, on peut le voir très légèrement ici. Vous voyez la barre qui est un peu plus blanche là, c'est son bouclier. Et il va commencer à attirer tous les joueurs. Donc là, on fait une rotation, on résiste au fait de se faire attirer, et vous voyez aussi ici que le raid prend quand même des dégâts assez intéressants. Hein. Donc il faut faire attention et pas hésiter à utiliser des CD DPS pour permettre de casser plus vite le bouclier, de faire durer la réappropriation moins longtemps. Maintenant que la réappropriation est terminée et que Alundrus est en dessous de 80% de points de vie, il va passer en phase. Donc là, notre ami Alundrus se lève. Vous voyez, là, il sort ses petites papates. Boum, boum, boum. Et à chaque fois que ses papates sortent, le raid prend des dégâts. Regardez la vie du raid aussi quand il se déplace. Hop, regardez cette partie-là. Alors, dès qu'il marche, boum, boum, le raid prend des dégâts. Et là, Alundrus va se diriger vers la porte et ouvrir la porte. Donc juste, vous le suivez. Et comme vous pouvez voir, pendant l'intervalle, il y a toujours les missiles. Donc on fait attention à ces missiles, toujours pendant l'intervalle. On va avancer un tout petit peu. Hop. Donc de nouveau, les missiles arrivent. Je pense que j'ai trop avancé, du coup, il n'y a plus de petites bouboules qui repoussent. Ok, oui, j'ai trop. Alors, voilà, vous voyez, ceci est une bouboule qui repousse. Donc si vous êtes dans la zone qui est sous la boule, là, vous vous faites one shot quand elle explose. Mais sinon, quand elle va exploser, elle va repousser tous les joueurs. Donc là, c'est pas très grave de se faire repousser en arrière parce que Alundrus arrive à la fin du chemin. Mais si on revient un peu en arrière. Hop. Voilà, si on revient un peu en arrière, typiquement, vous voyez derrière Alundrus ici, on devine une zone de boule qui va exploser et repousser. Donc là, il faut que tous les joueurs viennent se mettre ici, en regardant dans cette direction, pour se faire repousser dans cette direction. Hop. Donc on est là, et là, ça explose, et vous voyez, tous les joueurs sont repoussés dans le bon sens. D'accord? Ça, c'est l'intervalle. L'intervalle sera le même quand vous atteindrez 50%. Juste rapidement, pour la P2, qu'est-ce qui est plus difficile en P2? Vous allez avoir plus de lasers, comme vous venez de le voir ici. Vous voyez, maintenant, il y a deux lasers qui sont activés. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces deux boules-là vont être activées, puis ces trois boules-là vont être activées. Donc ça va s'échanger. Donc il faut faire attention à la trajectoire des boules et des lasers. Et en plus, vous avez beaucoup plus de particules qui vont apparaître. Vous voyez, il y a beaucoup plus de secousses sismiques qui arrivent un peu partout. Hop. Vous voyez, là, il y a plus de fissures. Il va falloir gérer plus de boules. Vous avancez comme ça pendant la P2 et vous arrivez en P3. Intervalle, bien sûr. Faites attention aux dégâts. Faites attention aux boules qui repoussent, etc. On arrive en P3. P3, même principe que la P2. Mais cette fois-ci, il y a encore plus de bouboules. Il y a beaucoup de dégâts qui sont infligés à tout le raid, et ce très fréquemment, donc faites attention à ça. Et il y a beaucoup plus de lasers qui tombent du ciel. Comme je l'ai dit, on va voir ça tout de suite. Déjà, et comme fait Echo, c'est maintenant qu'il faut BL utiliser tous vos gros CD, c'est maintenant. Exploser le boss.
faire durer le moins longtemps possible cette phase. Et vous voyez que, en fait, les lasers, il y en a là. Et là, on voit pas très bien. Mais il y en a aussi de l'autre côté. On va voir un peu, on va faire play. Et vous allez voir que les lasers, en fait, il y en a partout. Et oui, il y a beaucoup de sismiques aussi. Mais regardez bien. Vous le voyez là. Hop. Hop. Vous le voyez ici. Que là, il y a toute une ligne de laser tout le temps active. Et que là, il y a toute une ligne de laser tout le temps active. Et qu'il tourne comme ça et comme ça. Et ça, il faut constamment tourner avec. Ce qui fait que vous ne pouvez pas juste camper au même endroit. Dans la même trajectoire de particules éphémères à repousser pour pas qu'elles atteignent le boss. Vous allez devoir tourner. Et vos alliés vont devoir venir vous aider. Parce que quand le laser va venir sur vous, quelqu'un d'autre devra venir prendre votre place dans l'arrêt des particules éphémères. Si vous réussissez à passer cette phase, qui est très dure, on va pas se le cacher, la phase 3 fait très peur, eh bien vous aurez tombé à Londrus et vous pourrez aller vers Anduin. Anduin, la stratégie d'Anduin, je vais pas la sortir tout de suite, parce que Anduin est encore assez dur, et je pense pas que beaucoup de gens y seront d'ici dimanche, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en IRL, donc je ne pourrai pas m'en occuper d'ici dimanche. Donc voilà, Anduin dimanche. Toutes les stratégies jusqu'à Londrus, travaillez-les bien, parce que c'est des boss qui sont assez difficiles, et si vous voulez faire le mythique, entraînez-vous sur ces boss-là, et essayez d'être le plus propre possible sur l'héroïque. N'oubliez pas que les trois derniers boss, qui sont Rigellon, Seigneur de l'Effroi et le Geôlier, ne sont pas encore disponibles, et ne seront disponibles que la semaine prochaine, donc je ne pourrai pas vous faire de stratégie dessus. Mais dès qu'ils sont disponibles, stratégie, bien sûr. Et si ça vous intéresse, je peux aussi vous faire un aperçu d'à quoi ressemblent les combats d'après le journal de combat. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la strat d'Alondrus a été claire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, commentaires ou sur mon stream quand je suis en live, très bonne soirée à tous, très bon travail à tous, au revoir.